Je suis le baobab, l'arbre le plus robuste d'Afrique. Je fournis aux humains le fruit qui leur permet de faire un délicieux jus. Il y a quelques années encore, je vivais ensemble avec mes cousins. Mais un jour, les méchants hommes ont commencé à nous couper. Ils nous utilisent pour construire leur maison, pour la cuisine et les meubles. Oh oui, triste. Je n'ai plus de la nourriture à portée de main et tous mes petits meurent de faim. Tout est chaud et la terre est devenue brûlante. Nous mourons et nos amis les arbres s'assèchent. Je suis fatiguée. J'ai envie de me reposer. Mais où? Comment résoudre ce problème? Ah oui, les enfants, adultes de demain, il faut leur apprendre que la protection de la faune et de la flore est de leur responsabilité. Ils doivent planter et entretenir les arbres, puis nous protéger. Ceci permettra d'avoir un environnement vert et tout le monde vivra en paix. Alors les enfants, qu'avez-vous retenu? J'ai retenu que les animaux souffrent à cause de nos comportements anti-écologiques. Nous devons protéger la nature et éviter de faire comme nos parents. Voilà. Nous devons donc lutter pour préserver la faune et la flore. Notre vie en dépend.